contre, encore une fois, moi je repose toujours la même chose. On trouve n'importe où dans ces villes des encombrants, du gravats, ça n'a rien à faire là, ça me dégoûte, ça m'énerve, ça m'écœure. J'en ai jamais vu autant que depuis 2 ans ou 3 ans. Ça n'arrête pas. C'est dégueulasse. Là je viens de faire une rue complète en vélo. Ça continue. Les encombrants du jour. Pas prévu comme d'hab. 2 fourches pour le jardin. Une caisse. Je crois que c'est une caisse à munitions. Finalement, il y avait marqué très dangereux. Donc du coup je l'ai ouvert. Et dedans, on a du très dangereux et dégueulasse. Boîte de chocolat Puna, citrate de bétaïne, sous pour digérer, des vieilles boîtes grosso modo. Un petit peu d'aluminium. Joli Burke. Mais c'est bizarre parce que la boîte me dit quelque chose. Donc on va nettoyer tout ça. Et voilà le résultat final. Et voilà le résultat final. On a une belle caisse à munitions. Avec des charnières type charnière allemande. Peinture sable. Des boîtes de médicaments. Ça c'est sympa. Citrate de bétaïne, une vieille boîte en aluminium. Ça c'est marqué poudre minérale hygiénique stérilisée. C'est un truc d'hôpital certainement. Ça pareil. Ça c'est un truc doseur. Et une boîte de chocolat Poulain. Elle a vécu, mais au moins elle existe. Voilà, à bientôt. Merci de m'avoir suivi.